Bonsoir à tous. Madame la directrice de la RSE, rejoignez-moi, Delphine Karoff. Bonsoir à tous. Bonsoir les dents. Donc, ravi d'être avec vous pour cette première remise de prix RSE du LEM, c'est bien ça? Eh oui, c'est la première ce soir. Est-ce que c'est vrai que vous avez décidé de faire ça le 31 mars parce que le 1er avril, la connotation aurait été peut-être lourde entre accolé RSE et les entreprises du médicament? Non, c'était accolé RSE et poisson d'avril, donc non, ça ne le faisait pas. Bon, alors Milton Friedman, qui est un économiste célèbre, qui est né avant vous, Delphine, on peut le dire, disait la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est avant tout le profit. Est-ce que c'est une définition qui convient aux adhérents du LEM? Alors là, pour le coup, je crois que Milton Friedman, si je ne dis pas de bêtises, c'était il y a fort longtemps. C'était dans les années 60 et je crois que la société a un petit peu changé depuis. Et non, les entreprises du médicament, oui, certes, leur idée, c'est de faire de la recherche et pour ça, faire du profit. Cependant, elles ont vraiment intégré la responsabilité sociétale dans leurs actions, dans leurs projets. Et je suis sûre qu'à la fin de cette soirée, vous allez en être convaincus. Donc c'est pour ça que vous avez décidé de monter cette remise de prix. Il y a environ un an, il a fallu faire tout un tas de démarches, constituer, rassembler des gens, diffuser l'information auprès de beaucoup de monde. La première bonne surprise, je crois qu'on va voir ça en chiffres, c'est que vos adhérents ont répondu présents en masse. Oui, alors les adhérents ont répondu présents en masse. En fait, cette idée, elle est née il y a plus d'un an. On a une commission RSE au LEM qui regroupe l'ensemble des directeurs RSE du secteur. Et dans cette commission, ces directeurs RSE nous ont dit, nous, ça fait 10 ans qu'on fait de la RSE, ça fait 10 ans qu'on fait de la RSE avec le LEM, on a des beaux projets, on aimerait les montrer, on aimerait les valoriser et retenir les démarches exemplaires. Et en fait, c'est comme ça qu'est née l'idée de ces premiers trophées RSE. Alors, il y a un premier chiffre qui est passé, c'est 4, comme 4 catégories, parce qu'il y avait trop de postulants pour pouvoir les rassembler dans une seule. Est-ce que vous pouvez nous détailler les catégories qu'on va primer ce soir? Oui, alors il y a 4 catégories. La première, c'est la catégorie gouvernance, éthique et management responsable. La deuxième, c'est la catégorie sociale. La troisième des catégories, c'est la catégorie sociétale. Et enfin, la dernière, c'est l'environnement. Voilà, qui sont donc symbolisés pour tout le monde par des pictogrammes derrière. Donc la gouvernance, c'est discuter. Comme ça, vous en ferez un peu ce que vous voulez. Le sociétal, c'est se serrer la main. C'est ça. L'environnement, c'est faire des jolies plantes. Voilà. Et le social, c'est avoir un homme, une femme. Moi, je vois 3 hommes, mais bon, c'est une question de point de vue. Alors, le deuxième chiffre, je le disais, les adhérents ont répondu présents en masse. Le deuxième chiffre, après les catégories, c'est 46, comme 46 ouais. Dossiers présentés, alors, c'est beaucoup. 46 dossiers présentés, je dois le dire. En fait, au début, quand on a commencé, on ne savait pas vraiment où on allait. Et on ne savait pas combien on aurait de dossiers. Et là, vraiment, les adhérents se sont mobilisés en masse. On a reçu un nombre de dossiers impressionnant. Et donc, 46 dossiers dans 28 entreprises. C'est le chiffre qui arrive juste derrière. Alors, 28 entreprises, je voudrais quand même dire que là-dedans, il y a beaucoup d'entreprises différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise, elle a 10 salariés. Et elle nous a présenté un projet. Alors, bien sûr, il y a des plus grosses. La plus grosse, elle a 20 000 salariés. Mais cependant, ça montre que l'ensemble des entreprises ont joué le jeu et effectivement font de la RSE. Et je crois qu'on voit tous les logos là. Et je pense que ça mérite de les applaudir. Effectivement, c'est important de rappeler ça parce qu'on dit souvent que la RSE, c'est une tocade pour gros groupes et que quand on est petit, on est plus les mains dans le cambouis, dans l'opérationnel et qu'on n'a pas le temps de penser à être vertueux. Donc, les dossiers présentés prouvent que non. Et je ne veux pas faire de spoiler, comme diraient les fans de série, mais vous verrez que les trophées prouvent que non aussi. Et est-ce que c'est le LEM qui, lui-même, les membres du LEM qui ont décidé qui avait quel prix? Ah non, bien sûr, évidemment, on n'a rien décidé. On a décidé surtout de créer un jury indépendant, un jury d'experts. Et c'est ce qui donne toute la crédibilité à ce prix qu'on va vous remettre ce soir.
parce qu'en fait, on avait, ah ben voilà, 12 finalistes, j'ai oublié de dire ça. Donc on a eu effectivement, dans ces 46 dossiers, il a fallu choisir, et le jury a choisi parmi ces 12 finalistes. Donc 12 finalistes ont planché en fait devant le jury et devant ce jury d'experts qu'on a choisi pour leurs compétences en développement durable, en environnement, en éthique, en gouvernance. C'est des experts aussi qui sont dans des entreprises ou qui représentent des groupements d'entreprises comme le Global Compact, comme le C3D, ce qui leur donne, si vous voulez, une légitimité à choisir les projets les plus exemplaires parce qu'ils ont l'habitude d'en voir tous les jours. Ce que je vous propose, c'est de découvrir ce merveilleux jury. Je dis merveilleux parce que j'étais dedans, donc tant qu'à faire. Ce merveilleux jury en images pour que vous puissiez un peu vous familiariser avec tous, parce que effectivement, c'est des gens qui ont des agendas très remplis. Il y en a certains qui ne sont pas avec nous ce soir parce qu'ils sont en déplacement. Mais voilà, je pense qu'ils auraient aimé être là. Donc on va tout de suite regarder un petit peu qui faisait partie de ce premier jury. Donc vous êtes familiarisé avec ce jury, j'étais en train de lire Le Canard Enchaîné qui ne parlait pas des entreprises du médicament, comme quoi. Et peut-être avant qu'on commence à féliciter un peu les lauréats et à vous parler plus abondamment de ce qui s'est passé dans l'après-midi, qu'est-ce que vous, de votre point de vue d'organisateur, qui étiez dans un coin mais muette, puisqu'évidemment vous n'aviez pas le droit de prendre part aux délibérations, ouais, qu'est-ce que vous avez retenu de cet après-midi? Ça, c'est dur pour moi d'être muette. En fait, je crois qu'il faut dire quelque chose, c'est qu'au tout début, quand on a créé ce trophée, on s'est dit on va demander à des experts de la RSE de nous accompagner sur ce projet, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et finalement, ils ont tous répondu oui, tout de suite. Et ça, vraiment, je voulais le souligner parce que tout de suite, ils nous ont dit oui, ça m'intéresse, oui, j'ai envie de participer. Bien sûr, c'est des gens qui ont des agendas extrêmement chargés, mais on a trouvé cette fameuse après-midi d'un mois de février que vous avez vu. Alors là, ils avaient l'air très sages, mais alors je peux vous assurer, et pour ceux qui ont planché devant eux, qu'ils ont discuté, débattu, qu'ils se sont vraiment mobilisés pour ces projets. Vous n'étiez pas d'accord, pas toujours. Certaines fois, vous étiez d'accord. Mais toi qui étais aussi Vincent dans ce jury, tu as peut-être quelque chose à dire sur cette journée. Je vais laisser plutôt mes camarades de jury en dire un peu plus, mais ce qu'il y avait de notable, j'en parlais avec monsieur le directeur général à l'instant, c'est que tous les candidats qui sont venus avaient une vraie appréhension, un peu comme la première fois qu'on passe un oral, genre au bac de français, et forcément s'il y avait cette appréhension, c'est qu'il y avait un enjeu, et en ça on peut déjà dire que c'est un premier plan réussi. Chère Delphine, je vous laisse rejoindre la salle, et puis on va présenter ce palmarès. Merci Delphine.